à Skip, en Belgique, on envisage de dessaler l'eau de mer pour en faire de l'eau potable. Bon, alors d'habitude, quand on parle de dessalage de l'eau de mer... Oui, ça se dit aussi. D'habitude, ça concerne les pays chauds, arides. Jamais on aurait pensé qu'en Europe du Nord, on en viendrait à pomper de l'eau de mer pour faire de l'eau potable. Et ben voilà, on y est. Avec la canicule et la multiplication des épisodes de sécheresse, les nappes sont à sec. Plus rien. Du coup, pas le choix, faut bien trouver de l'eau quelque part. Et donc, en Flandre belge, région confrontée comme nous au manque d'eau, eh bien cette piste est envisagée très sérieusement. De Water Group, le fournisseur d'eau d'une grande majorité de communes flamandes, vient donc d'annoncer qu'il lançait un projet de dessani... un projet pilote. En gros, ça veut dire, on va essayer pour voir, on va pas faire le truc à grande échelle non plus, hein, pas exagérer. N'empêche, il y a des raisons d'y croire. D'abord parce que l'entreprise belge fait déjà du dessalement d'eau de mer au Chili, mais aussi parce qu'en Belgique, ça fait plusieurs mois que des élus et scientifiques évoquent ouvertement cette hypothèse. Alors évidemment, c'est pas sans poser quelques problèmes. D'abord parce que la technologie est très coûteuse et énergivore. Mais nos amis belges comptent bien utiliser leurs éoliennes en mer du Nord pour alimenter les futures stations de dessalement. Pas bête! Malheureusement, cette technologie est aussi très polluante. Car dans l'eau de mer, il y a du sel, environ 30 à 40 grammes par litre. Imaginez avec des milliers et des milliers de mètres cubes d'eau. Et on fait quoi de tout ce sel après? Un gros problème, et personne n'a vraiment de solution. Alors si tout le monde se met à dessaler l'eau de mer, on n'est pas sorti de l'auberge. Enfin, je dis ça. Je dis rien.